chers élèves, donc j'espère que vous compreniez bien les leçons. Donc nous nous voilà pour une nouvelle leçon cette fois-ci en mathématiques, en géométrie. Donc on commence d'abord par la révision. Suivez, consigne. Trace un triangle ABC dont AB égale 4 cm, BC égale 4 cm et AC 4 cm, puis nomme-le. Allez-y, d'accord. Tu as fini. Tu as fini. Très bien. Qui va corriger? Oui, Aïcha? Donc, tu lis. Trace un triangle dont AB égale 4 cm, BC 4 cm et AC 4 cm, puis nomme-le. Donc, je commence oui, par placer deux points. Ensuite, tu passes. Donc, mais là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit A, je prends, donc je prends A, c'est égal 4 cm. Donc, 4 cm. Là, j'ai 4 cm. Là, je mets C. Et là, je mets A. Donc, on peut quand même utiliser de la couleur. Et là, je prends mon compas et je mesure 400 mètres. AC et AD. Donc là, j'ai le point, oui, c'est le point B. Là, j'ai AC, j'ai 4 cm. BC, j'ai 4 cm. Et AB, j'ai 4 cm. Je viens de tracer mon triangle. Maintenant, on me dit de le. Non, mais c'est quel triangle? Oui, c'est quel triangle? C'est un triangle, oui, équilatéral. Équilatéral. Vous êtes d'accord? Très bien. Aïcha, pourquoi tu dis que c'est un triangle équilatéral? Oui, c'est un triangle équilatéral parce qu'un triangle équilatéral a trois côtés égaux. Très bien. Connaissez-vous d'autres types de triangles? Oui, Soraya, oui, le triangle rectangle. Quelles sont les caractéristiques d'un triangle rectangle? Comment reconnaît-on un triangle rectangle? Un triangle rectangle a un angle droit. Très bien. Un autre triangle, oui, quel est le triangle quelconque? Oui, quelles sont les caractéristiques d'un triangle quelconque? Le triangle quelconque a n'a pas de côté égaux et n'a pas d'angle droit. C'est fini les triangles? Oui, oui. Ça fait qu'il reste le triangle isocèle. Le triangle, quelles sont ses caractéristiques? Le triangle isocèle a deux côtés égaux. Très bien. Donc, nous venons de terminer la révision. Donc, nous passons à la leçon du jour. Suivez. Nous répondons à son matériel. Oui, vous avez. Oui, ça c'est quoi? On va parler comment? Oui, un risque. On a regardé bien comment faire la tempête. Venez, venez. Cliquez sur la feuille. Pliez. Attention.
mon frère. Oui, regarde, chacun. Très bien. Très bien. Très bien. Maintenant, qui va mon frère ici? Dans la classe, bien. Puis on peut apercevoir dans la cour. On porte comme ça. Oui, c'est le groupe. Le ventilo. Très bien. Très bien. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Oui, Aïdara. Très bien. Le sartou. Très bien. Le sartou. Oui, répète. Oui, oui, oui. Sartou, 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 sartou. Très bien. Écrivez sur les endroits. Écrivez sartou sur les endroits. Allez-y. Très bien. Oui, très bien, très bien. Très bien, très bien, très bien. Allez-y. Donc, essayez de construire ça. C'est de la place. Donc, essayez seulement. Deux secondes à peu. Essayez. Levez. Oui, pas mal. Oui, oui, oui. Mais qui m'a corrigé? Oui, Raya. Tu vas me montrer comment tu as fait. D'accord, s'il te plaît. Bon, très bien. Oui, continue. La place est plus forte. On ne comprend pas. Regardez bien comment faire. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Je tourne. Très bien. Qui a fait comme ça? C'est très bien. Comme ça qu'on passe le même cercle. Maintenant, qui peut vous donner la définition d'un cercle? On va essayer. Oui, Mme Damien. Oui, le cercle est une ligne courbe fermée dont tous les points sont égales distance à un même point fixe. Regardez ce qui vient. Donc, tous les points. Donc, cela signifie tout simplement qu'il y a des points ici. Donc, qui va vous donner le cercle? Mais, parce que si c'est lui, ici, encore? Oui? Encore pas mal de temps. Très bien. Très bien. Voilà, maintenant. Donc, allez. Regardez bien. Donc, vous avez vu les points. Je vais faire. Très bien. Maintenant, essayez de passer. Tracer
il y a beaucoup de points. Hein. Là aussi, il faut mettre un point. Est-ce que je peux tracer de là à là, en passant par le salut? Il va essayer. Lui a dit là-haut. Attention, la règle ne doit pas bouger, attention. Donc là aussi, je peux me mettre. Je peux me mettre. Je peux mettre une règle. Et là, je dis. Non, comment est-ce que c'est une très bien. Donc ça quitte ici. Le cercle venir aussi à l'autre bout du cercle. Et puis une précision très bien, c'est donc ça coupe le cercle 1, 2. Comment appelle-t-on ça? Oui, Mamadou, le diamètre. Très bien. On appelle ça le diamètre. Venez l'écrire ici. Le diamètre. On appelle ça le diamètre. Bon, il sait, oui, il sait pas. Le cercle en deux parties égales. Très bien, une précision. Très bien. Donc, c'est pas le cercle en deux parties. Si j'avais tracé ici, vous regardez, si je continue, là, je peux continuer de là à là. Hein. Je peux tracer, je peux mettre ici, aussi, comme ça. Là, je mets quoi? 8M. Je mets M. Et je trace. Je mets M et je trace. Regardez. Là j'ai A M. Très bien. Là j'ai A M. Est-ce que j'ai seulement A M? Oui, je vous dis, je conseille de là, j'ai A, O. A, O, c'est le rayon. Maintenant, O, M aussi, c'est un rayon. Donc, je l'écris ici. Donc, A, M. Donc, c'est un rayon. C'est pas A, M, c'est OA. OA. Rayon. Très bien. OM. Aussi, c'est un rayon. Très bien. Nous sommes d'accord. Très bien. Maintenant, je sais que AM. Égale. Maintenant, AM. Très bien. Voilà. Voilà, c'est égal à AM, c'est égal à OA plus OM. Donc le diamètre, c'est égal à 2 rayons. Très bien. Un diamètre. Très bien. Un diamètre. Égal 2 rayons. Très bien. Un diamètre, c'est égal à 2 rayons. Très bien. Donc, je sais aussi, donc, rayon, c'est égal à 8 diamètres. Voilà. Très bien. Un diamètre, c'est égal à 2 rayons. Très bien. Donc, chers élèves, nous venons de terminer la leçon. J'espère que vous avez suivi et vous avez compris la leçon. Donc, je m'adresse aux parents. Vous pouvez passer à la direction pour récupérer les exercices de consolidation et de variation. Donc, vous pouvez aider votre enfant pour la consolidation, même pour l'évaluation, le semestre de l'université.